Salut, salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour découvrir ensemble le DLC de The Last of Us Left Behind. Avant de l'évoquer, je reviens rapidement sur la conclusion de The Last of Us, la première partie que nous avons découverte ensemble à travers ces 22 épisodes que je vous ai présentés sur la chaîne. Et je tenais à vous remercier pour vos nombreuses réactions. Plusieurs parmi vous se sont interrogés sur ce qu'ils auraient fait. Je vous avais un petit peu interpellé là-dessus. Enfin, mon idée, c'était surtout d'arrêter les jugements que certains pourraient émettre vis-à-vis du choix qu'a fait Joël à la fin de The Last of Us. Mais c'était très intéressant de lire vos commentaires. Je n'y reviendrai pas ici. Je conseille tout simplement à ceux qui seraient curieux de consulter ces commentaires sur la vidéo numéro 22 et bien de faire part aussi, pourquoi pas, de leur vision des choses. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai dû retirer la musique de la section dans laquelle Joël emporte Ellie dans ses bras et se rend vers l'ascenseur. J'ai retiré cette musique tout bonnement parce que, eh bien, lorsque j'ai mis en ligne la vidéo, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas diffusable dans de nombreux pays du fait de cette musique. Bah oui, une question de droit. Donc j'ai préféré la retirer, mais je vous ai mis une vidéo qui propose cette séquence avec la musique pour ceux qui pourront la voir. Apparemment, en France, on le peut. Quoi qu'il en soit, voilà, ça n'était pas quelque chose qui manquait particulièrement. Moi, je me dis que c'était finalement très bien sur la musique aussi, hein. Bon, même si je les aime beaucoup, mais parfois, trop de violon, pour moi, ça fait toujours surfait. Voilà, mais bon, là, voilà. Les deux versions me plaisent malgré tout, hein, je tiens à le dire. Team Cynic, j'ai beaucoup aimé ce que tu nous expliques, parce que justement ça fait écho au roman dont je vous ai beaucoup parlé pendant la présentation du jeu. J'évoque ici le roman de George R. Stewart, La Terre demeure. J'ai enfin terminé le roman il y a quelques jours et je me suis régalé parce qu'il y a une grande réflexion autour de ce qu'il adviendrait de l'humanité si celle-ci venait à péricliter et qu'il ne restait que quelques rares survivants. Vivant. On est un peu dans le monde apocalyptique de The Last of Us. Je vous avais déjà expliqué pourquoi ce roman avait inspiré les créateurs du jeu. Mais là, ce que je voulais dire, eh bien, c'est que c'est aussi le reflet de ce que nous explique Team Cynic. Les Lucioles ont, c'est vrai, tu as raison, une certaine volonté de recréer le monde tel qu'il était avant que la police militaire crée sa petite dictature. Alors, il n'est pas interdit de penser, nous dit Team Cynic, que les Lucioles fonderaient eux-mêmes une dictature s'ils prenaient le pouvoir. Voilà, c'est vrai qu'on peut y réfléchir de cette manière. Moi, je te rejoins complètement. Et on sent bien que Joël n'a pas voulu prendre part à cette aventure des Lucioles, hein, même s'il a parfois aidé ce groupe révolutionnaire. Et ce qui me fait vous parler de La Terre demeure, le roman, bah c'est que justement dans celui-ci, la question qui est posée et qu'on pourrait se poser en regardant The Last of Us, c'est est-ce qu'il faut reconstruire le monde tel qu'il était ou essayer de démarrer une nouvelle civilisation? Est-ce qu'il faut vivre sur les poussières de ce monde ou essayer de se remettre à l'agriculture, à la mécanique, etc. Des questions fondamentales, on le constate en lisant ce roman que je vous recommande très fortement, d'autant qu'il date de 1949 et je reste époustouflé, ébahi par la vision qu'avait l'auteur de ce qui pouvait advenir de l'humanité dans de telles conditions à une époque où on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui pour se documenter. Left Behind. Alors de quoi s'agit-il exactement? Pour ceux qui, comme moi, ont découvert le jeu The Last of Us en 2013, eh bien, il s'agit tout simplement d'une DLC qui est sortie quelques mois après la sortie du jeu quand même, hein, puisqu'on était le 14 février 2014, lorsque sur PlayStation 3, nous avions enfin accès à cette extension, mais uniquement en téléchargement. Oui, à l'époque, ça n'était pas un boîtier, hein, ça n'était pas proposé à l'intérieur du jeu, c'était un téléchargement via le PlayStation Store. Je m'en étais emparé et m'étais régalé à découvrir en parallèle une partie de l'histoire de The Last of Us, première partie. Oui, 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 car ce que nous allons vivre ensemble, c'est ce qu'il se passe à un moment donné dans le jeu pour Ellie, tandis que nous savons ce que fait Joël. Voilà, bon, il y a une ellipse dans le jeu, on va pouvoir découvrir ce qui s'est passé. On va aussi découvrir un petit peu du passé
délit. Tel était l'objectif de ce DLC. J'en profite pour dire qu'il est sorti directement à l'intérieur de ce jeu, de ce boîtier de The Last of Us Remastered sur PS4, donc inutile de le télécharger, il est inclus. Il est également inclus dans la version PC et PS5 qui est sortie très récemment en 2023. Voilà. Avant de débuter complètement, je reviens aussi sur un petit message de Cyril qui nous conseille le livre édité par Third Edition, Décrypter les jeux de The Last of Us, que reste-t-il de l'humanité ? Eh bien, soyez curieux si vous voulez aller plus loin. Mais nous allons aller plus loin tout de suite dans Left Behind, découvrir les 5 niveaux de ce jeu. Il y a 5 niveaux dans cette DLC. Voilà, une histoire se déroulant parallèlement aux événements de The Last of Us, nous explique-t-on ici. Et bien entendu, si vous n'avez jamais joué à The Last of Us, on vous l'explique, il y a un avertissement sur l'écran vous invitant à d'abord jouer au jeu principal. Évidemment, c'est recommandé. Alors, nouvelle partie, on va faire Go. Alors, est-ce que nous avons déjà de bons souvenirs ? On vient de jouer à The Last of Us, mais je vais quand même vous laisser le rappel des commandes pour ceux qui n'auraient pas regardé les autres vidéos et qui voudraient se plonger dans ce DLC. On va choisir le mode normal, comme je le fais d'habitude. Go ! Et on sauvegarde. Et nous sommes partis. Quoi ? Les Lucioles ? Baisse-toi ! Oh ! Putain, mais c'est qui ces types ? Connard ! T'approche pas ! Joël ! Mets ton bras sur moi ! Allez ! Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde ! Joël ! Attends. Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez, tu dois te relever ! Joël ! J'ai atterri sur la hanche. Putain, j'ai cru que je m'étais fait mordre. Je sais, c'était super drôle. Tu vas quand même pas me tuer, non ? Je t'ai pas vue depuis... Je sais même pas combien de temps. 45 jours. Enfin, 46 techniquement. Tu veux savoir ce que j'ai fait ? Pendant tout ce temps, j'ai cru que t'étais morte. Ouais. Tiens. Regarde. Sans déconner. Toujours pas de coloc ? Moi, j'ai dû dormir en dessous de Lise pendant 3 ans, et tu sais à quel point cette fille pue. T'es une luciole. C'est cool que tu l'aies encore. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de pas me faire prendre avec une luciole dans ma piole. Détends-toi. Crois-moi, il n'y a aucun soldat à cet étage. Tiens, félicitations. Hé ! T'es fâchée ? Si je suis fâchée ?
J'ai disparu et tu m'en veux. Et je te dois une explication. Sortons d'ici et je te raconterai tout ça. Il va bientôt faire jour. Et j'ai un entraînement militaire. Tu sais, celui où on apprend à tuer des lucioles. Allez, enfile un pantalon et suis-moi. Je suis trop débile. Oh. Allez. On a déjà eu des ennuis, toi et moi. Merde. Allez, il me faut quelque chose. Fais chier. Voilà. Ok, je vais te retourner. Putain. Ça devrait nous faire gagner du temps. Je vais chercher de quoi te recoudre, ok? Durillon, reste avec lui. Je vais faire super vite. Je te le promets. Où maintenant ? Vous le constatez, nous commençons ce niveau avec peu de santé. Hein. On n'est pas très généreux avec nous, mais après tout ce que vient de vivre Ellie, vous vous souvenez certainement du chapitre qui nous a été rappelé ici. Ah, c'est pas étonnant qu'elle en soit là. Alors je précise aussi un petit élément, hein, vous l'avez compris à travers la cinématique d'introduction, nous allons alterner entre des séquences de souvenirs d'Ellie, des flashbacks, et ce qu'elle a vécu pendant que Joël était, eh bien, on va dire... mal en point, on peut pas dire mieux. Bon, regardez, nous sommes dans une galerie commerciale qui a été transformée en zone militaire, hein, comme l'indique la banderole là-haut. Je vous laisse découvrir un petit peu les lieux qui sont complètement détruits, évidemment, hein, après 20 années. Ça semble logique. Voilà, je fais un petit tour quand même pour que vous ayez l'occasion de découvrir le décor. On m'avait demandé de davantage insister sur ce genre d'éléments, donc j'essaye déjà hein, de vous montrer les décors en allant à droite, à gauche, de temps en temps, histoire de vous montrer des lieux qui m'ont intéressé à l'époque où j'ai joué au jeu, parce que le joueur, la première fois qu'il découvre un lieu, bah, il cherche une issue, bien entendu. Même si elle est souvent assez franchement bien indiquée. Il y a ces escalators, il y a aussi là-bas un escalier. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, je préfère les escaliers. On ne sait jamais si l'escalator se met à refonctionner, qu'il part à l'envers. Non, il n'y a pas ce risque-là dans le jeu. Hein. C'est juste dans ma tête, ça. Donc, tout est barré ici. Impossible de passer. Nous voici... au sommet de l'escalator. Quelques affiches d'un monde qu'Ellie n'a absolument pas connu, hein, il ne faut pas le perdre de vue. Oh, merde. Alors l'idéal pour aider Joël, évidemment, ce serait peut-être de trouver bah, de quoi le soigner, évidemment. Donc nous allons rechercher tout ça. Tiens, des statues. Ce centre commercial aimait les œuvres d'art. C'est un prétexte pour rendre les lieux moches un peu plus agréables, hein, puisqu'on parle de lieux moches en ce moment. Hein. La France moche, vous savez. American Princess, tiens. Bon, je suis pas sûr que ce soit dans un magasin comme celui-là qu'on va trouver quelque chose pour aider Joël. Combinaisons nécessaires. Pharmacie Weston. Pile poil ce qu'il me faut.
Regardez, une brique. Je vous conseille de ramasser les briques, hein, comme à notre habitude. Histoire de pouvoir vous défendre si jamais. Une pharmacie, tout ce qu'il y a de plus commun ici. Et des éléments qu'Eli remarque. Oh, je rêve. Il a gobé les médocs et laissé la boîte. Là. Oh, que dalle. Moi, ça me fait penser. Regardons quand même ce qu'Eli possède. Alors, vous voyez, rien côté confection pour l'instant. Et on a les artefacts qu'on connaît déjà, puisque nous avions précédemment, souvenez-vous-en, consulté cela lorsque nous avons manipulé Eli pour la première fois. Hein. Il me semble que c'était la première fois dans le jeu lorsqu'elle se retrouve à chasser le cerf. Voilà. Bon, je vous montre rapidement ces éléments, hein, que vous puissiez les retrouver. Le pendentif de Riley, on vient de faire connaissance avec Riley d'ailleurs. Évoquons-nous aussi d'ailleurs, oui, la voix de Riley. En VO, c'est l'actrice Yanni King qui prête sa voix à ce personnage. Vous l'aviez d'ailleurs peut-être vu dans la mini-série Saving Grace entre 2007 et 2010, donc avant qu'elle ne figure générique de ce jeu. En VF, c'est Jessica Monceau. Nous avons découvert cette comédienne alors qu'elle n'avait que 7 ans dans la mini-série Une femme en blanc. Elle est également la voix française régulière d'Ellen Page, aujourd'hui Elliot Page, mais aussi d'autres actrices comme Rooney Mara. Voilà qui est dit. Le petit robot, le Walkman et une lettre que nous avions déjà lue, je n'y reviens pas, ainsi que le couteau d'Eli et cette photo qu'elle va rendre à Joël un peu plus tard. Voilà, couteau qui illustre, vous vous en souvenez, l'écran d'accueil une fois qu'on a terminé le jeu pour la toute première fois. Ah, là-bas, ça brille. Et évidemment, ils ont tout dévalisé. Ah, des matériaux pour confectionner autre chose que ce que nous possédons pour l'instant. Voilà, ici, des affiches de la pharmacie. Hein. Le personnel de la pharmacie se met en scène, semble-t-il. Ah ben voilà le pharmacien, enfin, disons, en carton. Allez, un kit de secours. Et comment je fais pour entrer? Ah, peut-être un indice ici. Le pharmacien. Il aura peut-être la clé. Lisez ce message. Le pharmacien est devenu fou et m'a attaqué. Je l'ai frappé assez fort. Il est inconscient, je l'ai enfermé dans le magasin American Princess à côté. Aidez-le s'il vous plaît. Le code est 35 30 31. Vous pouvez bien entendu, on va vous le dire, consulter à nouveau ce message en appuyant sur le pavé central ici sur la manette. Je crois que sur PlayStation ça doit être Select, je ne sais plus. Sur la PS3. Jouez-vous encore avec votre PS3? Moi ça m'arrive. Un peu de matériel encore, et je crois que c'est tout, hein. Y a rien qui attire le regard d'Eli pour l'heure. Bah, American Princess, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein. Volontairement en réalité, c'est juste à côté. Voilà le magasin, magasin de poupées, comme vous le constatez à travers la vitrine. 35 à droite, 30 à gauche, 31 à droite. Impec. Je vous disais, je ne ramasse pas non plus la bouteille, puisque j'ai déjà une brique en main. Ça ne servirait à rien, rappelons-le. Ces poupées sont vraiment effrayantes. Je ne sais pas si elles feraient plaisir à une petite fille, franchement. Hein. Ou un petit garçon. Mais en tout cas, elles sont franchement effrayantes, oui. Quand on voit la tête qu'elles font.
ça rappelle les poupées de nos grands-parents. Des spores partout. Et est-ce que nous avons un pharmacien par là ? A-t-il été dévoré par les spores ? J'espère pas pour lui. Oh, Berk. Ressuscite pas, ressuscite pas. Y'a rien. Où elle est ? Ah, la clé. Ok, super. Oh, merde ! Putain ! Ok. La clé, la pharmacie. C'est parti. La note du pharmacien. En des photos, apparemment, il s'entendait plus que bien avec l'une de ses collègues. Pense à moi pendant mon absence. Tu vas me manquer, mais pas trop. Laura, voilà le nom de la collègue. Alors, ces poupées, elles sont vraiment effrayantes. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre à voir ici. J'espère ne pas avoir oublié de matériaux. Ce serait dommage. Oh, merde. Vous vous souvenez des claqueurs ? Ben en voilà un. C'est un claqueur. Un clicker en anglais. En raison du cliquetis qu'émettent ces êtres humains possédé par le cordyceps, ce terrible champignon qui a fait des ravages dans la population humaine. Alors je vous conseille de vous planquer un petit moment, le laisser aller vers la pharmacie, en souhaitant qu'il change de chemin. Alors croisez les doigts très fort, oui, très fort, pas trop, ne faites pas mal non plus. N'oubliez pas que les claqueurs sont aveugles, mais ont développé une ouïe extraordinaire grâce à des ondes qu'ils émettent un peu comme les chauves-souris, j'ai l'impression. Hein. Il est parti. Bon, nous, on n'a plus besoin de visiter la pharmacie, on la connaît déjà par cœur. Mais les zones réservées aux employés là-bas nous intéressent particulièrement et elles, on ne la connaît pas encore. Non. Oh. Un hélicoptère de l'armée. Il aura sûrement ce qu'il me faut. Accroche-toi, Joël. Alors avant d'aller vers là-bas, je fais un petit tour des lieux. Tiens, qu'est-ce qu'il y avait écrit ici ? Oui, c'est de la publicité pour la pharmacie, pour la possibilité de commander des produits, ok. Et rien dans ce tiroir, on peut repartir et aller vers l'hélicoptère. Alors je vous laisse apercevoir les lieux, oui. Ce centre commercial, c'est l'autre partie du centre, ici. Là, c'est l'accès qui est verrouillé hein, vers la zone où nous étions tout à l'heure. Et nous n'avons pas d'autre possibilité que de passer par là pour une petite conversation, enfin un petit élément supplémentaire. Ah, pas par là. Voilà, je vous laisse entendre ce qu'on peut entendre dans le jeu, j'essaye du moins. Pixie Tech m'intéresse parce qu'il semble qu'on peut y passer. Alors, oui, je sais qu'il y a un autre chemin en réalité, mais je voulais vous montrer cette petite scène qui est bien sympathique, hein, qui fait pas du tout palpiter notre palpitant. Alors, je vous conseille quand même d'aller à l'endroit où ça s'est effondré, parce que juste à côté, vous voyez, on peut cette fois-ci rejoindre le lieu. On ramasse des objets, il y en a plein, voilà. Et on a des traces dans la neige hein, qui sont... En fait, lorsqu'on marche, ça j'apprécie quand les jeux rendent ce réalisme. Certains l'oublient parfois. Bon là, on est déjà passé.
Ben regardez, la suite c'est par là. Puis maquillage. Serions-nous dans un salon de beauté? Je crois bien. Bon, on n'a pas le temps d'utiliser ces appareils. De toute manière, il n'y a plus d'électricité. Oh. Note du salon de beauté. L'adjudant-chef Larry Caulfield est mort en héros cet après-midi. Nous regagnions la zone de quarantaine quand le patient s'est transformé. Il avait dû être contaminé par des spores car nous n'avons relevé aucune trace de morsure. Le patient a rompu ses liens et attaqué notre pilote, l'adjudant Sean Brandon. L'hélicoptère était devenu incontrôlable et tourné sur lui-même, mais l'officier Caulfield a réussi à repousser le patient infecté, nous sauvant la vie à tous. Nous nous sommes écrasés dans un centre commercial du Colorado en pleine campagne. Le soldat Eugene Ellis, l'officier Caulfield et moi étions les seuls survivants. L'officier Caulfield a été mordu au cou par l'infecté pendant l'attaque. Il nous a immédiatement montré la morsure, acceptant son destin. J'ai appliqué le protocole d'infection avant que l'officier Caulfield ne puisse se transformer. Puisse-t-il reposer en paix ? Signé donc le capitaine Regan Francis, 4e division d'infanterie, zone de quarantaine de Denver. Mais ça n'est pas tout. Je pourrais pas faire de suture. Bon, je me contenterai de ça. En parlant de ça, ben voilà, on peut utiliser le kit médical. Donc j'appuie sur la touche vers le haut, puis après je laisse enfoncer la touche R2. Et Ellie se soigne, parce qu'elle n'allait pas très bien. Si elle veut aider Joël, il faut aussi qu'elle soit en bonne forme, évidemment. Ici, les tarifs de l'Institut de Beauté, ça ne nous servira guère, mes enfants. L'argent n'est plus de mise dans ce pays. Un pays pourtant habituellement vérolé par l'argent. Pas la peine de m'indiquer ce que je dois faire, si, on me le dit quand même. Bon. Ici s'achève ce chapitre, mes amis. Nous nous retrouverons la prochaine fois, après ce court niveau, c'est vrai, pour découvrir la suite de cette aventure. C'est parti! Bon, alors les amis, bon, je vais vous faire ça à la manière de certaines vidéos internet où on vous met une voix synthétique qui traduit une autre vidéo parue à l'étranger. Je trouve ça déplorable d'en arriver là d'ailleurs, et où on nous répète toutes les 4 secondes. Alors les amis, on va faire ça, les amis, on va faire ça. Non, je ne vais pas vous faire ça, rassurez-vous. Mais je vais vous présenter les bonus, parce qu'il y a des bonus dans ce jeu, The Last of Us. On revient au jeu original. La dernière fois que nous nous étions vus, souvenez-vous, dans la vidéo 22, j'avais débloqué certains d'entre eux. Alors, on m'a dit, mais tu ne nous as pas montré les 10 bonus. Bah, c'est vrai qu'il y en a pas mal, alors j'ai préféré attendre cette DLC, je ne sais jamais comment il faut le dire, cette extension du jeu, pour vous les présenter. Mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Alors où sont-ils? Ils sont là. Vous allez dans les options, lorsque vous êtes en plein jeu, il faut démarrer pour cela une nouvelle partie bien évidemment, et dans les bonus, et oui, ça porte ce nom-là. Et là, eh bien, vous pouvez aller voir dans débloquer. Et vous vous souvenez, j'avais débloqué bon la galerie conceptuelle pour un seul élément, mais j'avais aussi débloqué les modes de rendu du jeu. Les modes de rendu, bah vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Ils sont déjà débloqués, donc il suffit d'aller là. Je les ai achetés avec les dollars virtuels que nous avons obtenus en gagnant pas mal d'éléments dans le jeu. Vous avez vu qu'on a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer. Eh bien voilà, donc j'en avais déjà acheté 3 la dernière fois, on va les regarder. Noir et blanc, bah vous l'avez compris, si je l'active, j'ai appuyé sur croix pour l'activer, et que je reviens dans le jeu, bah je suis en noir et blanc. Voilà, encore me faudrait-il une échelle, L'échelle, où est-elle? Je l'ai! Super, apporte-la ici. J'avais laissé le haut-parleur, j'avais un écho dans le son. Voilà, donc noir et blanc, c'est tout simplement comme ceci. Honneur aux dames. Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Et voyons les autres. C'est pas apparence, c'est choix de mode de rendu. Donc hypnotique, à quoi ça peut bien ressembler, mes amis? On l'active.
Ben voilà. Alors c'est l'une des couleurs d'ailleurs qui existe déjà dans le jeu. Hein. Lorsque vous utilisez le mode photo, je vous le rappelle, le mode photo, hop, on appuie sur quoi? Je vais l'activer déjà. Voilà, on appuie sur L3. Et on choisit, on peut choisir les couleurs, hein. Je vous l'avais montré déjà, mais je vous le remontre avec des filtres de couleurs. Voilà, blablabla. Mais je ne veux pas faire ça, donc on va quitter le mode photo et le désactiver parce que c'est plutôt gênant dans le jeu. Bon, et encore, qu'avons-nous d'autre? Far West. Eh bien c'est plutôt sépia, on va dire. Voilà. Bon, ça n'a pas grand intérêt, mais si vous avez envie de vous refaire le jeu d'une manière originale, bah vous pouvez faire ça. Tu crois que Robert a toujours nos armes? J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. Attends, des sports. Je vais désactiver ces bonus. C'est les bonus que je veux, voilà. Parce que je vous avoue que je n'aime pas trop ce mode de rendu-là. Voilà, on le désactive, comme ceci. Et je vais juste me procurer une apparence ou deux. Alors la chemise grise est gratuite, on va l'activer, voilà. Et on verra plus tard, on l'achète d'abord, on est obligé même si elle est gratuite. Et on l'active. Ah on n'a pas le choix. Voyons voir. Oh! Alors, chemise grise, c'est la traduction qui est mauvaise. C'est un beau t-shirt très saillant pour l'ami Joël. Voilà. Alors, je vous montrerai d'autres tenues, promis, la prochaine fois. On va peut-être s'arrêter là. Oh, allez, il reste du temps. La vidéo était courte, je suis gentil. C'est mon jour de bonté, hein. Tenez-vous-le pour dit. On va s'acheter les apparences de Joël, auxquelles nous avons droit. Hein. Parce que pour avoir la chemise écossaise, vous avez vu, c'est verrouillé. Je n'ai pas sûrement mérité tout ça, parce que je n'ai pas certainement joué dans un mode de jeu difficile, j'imagine. Chemise marron, donc ça devait être un t-shirt marron, je présume. On va acheter tout ça déjà. Hein. Je dépense mon argent en tenue, mais quelle folie! Voilà, et on active. Oui, il faut recommencer, j'avais oublié. Voilà, donc Joël en marron, ça change pas vraiment grand-chose. Et écoutez, voyons voir celle-ci. Ah là, c'est une chemise. Oui, elle lui va bien. Ouais, je savais pas tout ce sang, franchement. Manche longue quand il fait froid. Voilà. Bien, les amis. Je vous l'ai fait. Qu'en dites-vous, hein, si vous voulez le voir mieux que ça, on va le faire courir un peu. La prochaine fois, d'autres bonus. C'est promis, j'essaierai de vous en montrer. Faut descendre par là. Oui, en attendant, je vous souhaite de longues journées, de plaisantes nuits. À très vite.